Tsukichi, the largest fish market in the world, 2,500 tuna, mostly from the Mediterranean, are auctioned every day. In 2010, one fish weighing 450 kilos was sold for 28,000 euros, the highest price paid in the last 25 years. On ne devrait pas le faire cadeau. C'est pas du, je veux dire, c'est pas du pâté pour les cochons. C'est du caviar. C'est du caviar. Et aujourd'hui, on a donné les moyens de mettre la profession par terre pour que certains cartels s'en profitent de cette occasion. Et c'est un scandale de donner du thon de qualité à un prix dérisoire. Et c'est la pression du cartel, des acheteurs, pour mettre les pêcheurs à genoux. Il faut récupérer la souveraineté sur notre mer et sur notre ressource. L'autonomie de la Méditerranée au Méditerranéen et arrêter de faire de la magouille et donner une valeur ajoutée à ce produit. Il faut qu'on se comprenne, parce que les ONG, c'est quoi aujourd'hui? Greenpeace, WWF, c'est préserver une ressource. La ressource, c'est mon intérêt. C'est une pêcherie durable. Bien, esto es lo que podríamos llamar el Wall Street del pescado a nivel mundial. Tsukiji es la mayor lonja del mundo y aquí todos los días se venden entre 30 y 40 mil kilos de atún rojo. Durante los últimos años los pescadores vienen cobrando entre 3,5 euros el kilo y 6,5 euros el kilo. El granjero venderá ese mismo kilo de atún alrededor de unos 20 euros el kilo. Y aquí, si vamos a un restaurante medio en el barrio de Ginza, el precio de un sashimi de ese mismo atún, es decir, una porción de 100 gramos, puede llegar a costar 80 dólares, es decir, unos 60 euros.